Alors, le but d'un groupement d'employeurs, c'est le prêt de main-d'œuvre, hein, le prêt de main-d'œuvre auprès de différents adhérents. Et le but d'un groupement d'employeurs, c'est de transformer des bouts d'emplois que l'on peut retrouver dans différentes entreprises en un emploi sécurisé, le plus souvent en CDI temps plein, pour un salarié. Donc, l'utilité d'un groupement d'employeurs, du point de vue du salarié, c'est d'éviter d'avoir des CDD en direct avec différentes entreprises et d'avoir un seul employeur. Et cet employeur va lui proposer un CDI où il va être amené à travailler dans différentes entreprises adhérentes du groupement d'employeurs. Pour les entreprises, parce qu'il y a véritablement un intérêt pour les entreprises, c'est d'avoir un salarié pour les périodes où elle va en avoir besoin et avoir un salarié qui a vocation à revenir d'une période à une autre. Autrement dit, pour une entreprise, c'est d'avoir une personne formée qui connaît l'entreprise et qui va revenir sur une autre période où on va en avoir besoin, 3 mois, 4 mois, dans 4 mois, mais ça sera là, exactement la même personne. Donc l'utilité d'un groupement d'employeurs, c'est de concilier les besoins de sécurisation de l'emploi pour les salariés avec les besoins de flexibilisation du travail pour les entreprises. Paradoxalement, depuis 2005, il y a eu 11 lois qui ont traité, sur 1, 2, 3 articles, les dispositions des groupements d'employeurs. Et pour autant, les questions centrales propres au développement du groupement d'employeurs n'ont pas été traitées. Les questions centrales, c'est 2 aspects. C'est le principe de la mixité fiscale et de la mixité sociale. Je m'explique. Le groupement d'employeurs travaille avec des entreprises qui sont sur un même bassin d'emploi, mais qui peuvent avoir des particularismes en termes de charges sociales, en termes d'assujettissement à la TVA. Et lorsque le groupement d'employeurs va être amené à travailler avec le groupement d'employeurs va facturer le temps de la mise à disposition d'un salarié dans ces différentes entreprises. Et c'est là où il faut qu'il y ait pour le groupement d'employeurs une forme de mixité, c'est-à-dire obtenir les mêmes règles que pourraient avoir les adhérents. Or, ce n'est pas le cas. Je prends l'exemple. Dans un bassin d'emploi pas très loin des Pyrénées, il y a un groupement d'employeurs qui travaille avec une mairie, qui travaille avec une association et qui travaille avec une société. Mais ce groupement d'employeurs, lorsqu'il facture, il est amené à facturer, à assujettir sa facture de la TVA. Et lorsqu'il fait cela, il va facturer de la TVA avec une entreprise commerciale, et là, il n'y a pas de difficulté. L'entreprise commerciale va pouvoir récupérer la TVA. Mais s'il travaille avec une association qui, elle, n'est pas assujettie à la TVA, on va lui facturer la TVA, mais on ne va pas pouvoir la récupérer. Même chose sur les collectivités territoriales, les collectivités publiques. Mais ça, c'est le véritable frein au développement d'un groupement d'employeurs. Le groupement d'employeurs, c'est un outil de bassin d'emploi. Donc à partir de là, si on n'a pas les mêmes règles juridiques concernant la facturation, ben on va avoir des adhérents qui ne vont pas des entreprises qui ne vont pas pouvoir devenir adhérentes. Donc ce que moi je propose et que d'autres proposent, c'est ce qu'on appelle la mixité fiscale. Autrement dit, si l'adhérent n'est pas assujetti à la TVA, la facture n'est pas, ne prend pas en compte la TVA. Si l'adhérent est à la TVA, est assujetti à la TVA, la facture doit être à la TVA. Il faut donc, à mon sens, une sectorisation fiscale, mais même chose sur une sectorisation en matière d'allègement des cotisations de sécurité sociale. On doit s'adapter à ce que prévoit l'entreprise utilisatrice. Ça, c'est les deux freins, à mon sens, de développement des groupements d'employeurs. Il y en a quand même un troisième, c'est que les groupements d'employeurs datent depuis 1985, et paradoxalement, il n'y a toujours pas eu d'accord collectif, de convention collective propre aux groupements d'employeurs. Je pense qu'en France, lorsqu'un dispositif veut avoir une certaine légitimité, il faut passer par la phase d'une négociation de branche ou interprofessionnelle, mais propre à un dispositif, à savoir les groupements d'employeurs.